C'est vous. C'est moi. Quelle heure est-il, là? 8 heures. Ah, vous êtes levé depuis longtemps? Oui. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mal dormi. Vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur? Non, ce n'est pas une bête puante, là, mais ça pue autant. Vous trouvez? C'est décourageant. Ah, ne vous en faites pas, c'est sûrement une bête qui est morte près d'ici. Une charogne. Hmm? Tenez, je vais vous aider, là, on va la trouver puis l'enterrer. Non, inutile. C'est moi. Oui, vous avez raison, c'est vous. Je suis allé à la pêche avec ma famille. C'est un onguent contre les moustiques que le curé m'a prêté. Je devais l'avoir depuis longtemps. En tout cas, je me suis fait piquer comme un jambon de clou de girofle. J'ai beau me laver, cette satanée odeur persiste. Même ma femme, mon cher Bolduc, n'a pas pu supporter mon odeur. Alors finalement, là, je suis venu m'éventer ici, là, au grand air. Ah, vous avez bien raison, mon cher notaire. Beaucoup d'air et un peu de patience. À propos, vous savez que j'ai entrepris un portrait de Mme Fournier. Oui, elle m'a dit ça, en effet, oui. Et à moi, elle m'a dit que vous aviez des objections à ce que je la peigne dans le décor du jardin. Oui. Enfin, c'est-à-dire que je ne voudrais pas m'ingérer dans votre art, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes l'artiste. Mais je vous avoue que j'aurais préféré que vous peigniez Marie-Thérèse devant le foyer. Il y a là, vous comprenez, une allusion symbolique, une métaphore, une affirmation de principe, enfin tout un ensemble d'idées auxquelles je suis très sensible. Vous saisissez. Mon cher notaire, je ne peins pas des allégories. Votre foyer est fort beau, j'en conviens, mais il pourrait se trouver aussi bien en France qu'en Angleterre qu'aux États-Unis. Alors que votre jardin et le paysage grandiose contre lequel il se découpe, eh bien, il est d'ici, ce jardin. Remarquez, je n'ai rien contre les chefs-d'œuvre étrangers, je les respecte. Mais je suis un artiste canadien, M. Fournier. Et mon propos n'est pas de répéter ce qui a été fait ailleurs, mais bien plutôt d'exprimer ce qui nous est propre, dans la mesure de mon talent. Je suis pleinement d'accord avec cela. Ah, mais tout le monde est d'accord avec cela. Alors expliquez-moi pourquoi... Sur les murs de nos bourgeois, il y a autant de moutons anglais, de vaches hollandaises et de chevaux arabes. Comme dit mon collègue Jackson, si tous ces animaux ont droit aux murs des salons canadiens, pourquoi pas l'orignal? Why not the moose? Savez-vous que dans cette région de Charlevoix, il y a autant de peintres que dans la région de Barbizon en France, et qu'ils viennent autant de Toronto que de Montréal, sinon plus? Why not the moose? Et... Madame Fournier devant un paysage de la Malbaie. Sur ce, mon cher notaire, je vais vous laisser. Le curé m'attend. Ah, mon cher notaire, n'oubliez pas, hein, beaucoup d'air et un peu de patience. Bonne journée.